Bonjour les Cafardinos, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Le top 10 des, du classement des meilleurs joueurs au monde et la dixième place est attribuée au joueur estonien, Robs, très jeune joueur, une pépite, un monstre individuel. Ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous êtes d'accord ou pas avec son positionnement. Moi, très honnêtement, je vous le dis, je suis extrêmement d'accord avec ça. Je vais essayer de parler de son évolution depuis l'année dernière. Donc, euh, Parce que l'année dernière, justement, il était top 19 HLTV. Et donc là, il a fait quand même un bond en avant du top 19 au top 10. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution sur ce joueur qui a été monstrueuse. Mais je pense que ce n'est pas totalement euh, lié à, à lui-même, mais aussi à l'entourage. Qui, qui l'a fait briller et je vais revenir là-dessus euh, dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite tous à vous abonner euh, à ma chaîne, activer la cloche, etc. Parce que à partir de cette vidéo, tous les jours, il y aura une vidéo qui dévoilera justement chaque joueur jusqu'au meilleur joueur mondial. Tous les jours 17h euh, sur la chaîne. Donc venez faire un tour sur la chaîne. Ou euh, tout simplement abonnez-vous et activez la cloche. On va parler de ROPS désormais. Et il a fini l'année totalement monstrueusement. Voilà, on ne va pas se le cacher. Toute l'année, il a été fort. On le sait que c'est un joueur ex Exceptionnel individuellement. C'est un découpeur de tête. C'est quelqu'un qui a un skill individuel monstrueux. Dès qu'il voit un pixel, il le déchire. Son positionnement en terreau, c'est une extrémité, mais pas une extrémité comme. Happy ou Get Right pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le rôle d'extrémité, allez voir le tuto euh, parce que j'en ai fait un il euh, y a très longtemps dessus mais qui est toujours d'actualité parce que euh, je parle du rôle euh, entre guillemets. Donc son rôle d'extrémité à Robs est beaucoup plus euh, agressif. Bien évidemment qu'il a la, euh, 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 le, le rôle, euh, la priorité de couper les rotations en terreau mais surtout il peut être agressif sur son extrémité parce qu'il a un skill individuel qui le permet et il va tout simplement punir les CT qui euh, vont, euh, qui vont vouloir agresser ce genre de choses, alors qu'un joueur comme Happy ou Getright vont plutôt se cacher et euh, travailler euh, plutôt leur positionnement pour avoir un avantage euh, conséquent euh, pour pouvoir tuer son adversaire. alors que lui il peut avoir un, un positionnement un petit peu plus ouvert, on va dire ça comme ça en termes de ligne et tout simplement lui découper la tête. Côté CT, c'est un fixe BP. Et selon moi, il a une particularité par rapport à d'autres fixes BP. C'est-à-dire que Rain et Fix BP, il est monstrueux. Euh, on a Electronic aussi. On a par exemple Twist qui est un monstre en fixe BP. Mais Robs, lui, il est systématiquement vraiment tout seul. Il est sur les BP en B et donc il est tout seul. Donc il a... Une très grosse, très très grosse responsabilité, c'est à dire de réceptionner euh, les rushs quand ça déboule. Et on sait très bien que quand ça déboule en B, il y a énormément euh, d'activités, de, 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 ce genre de choses. Et donc il ne faut pas mourir. Et j'ai moi en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur à ce jeu là. C'est-à-dire que il fait un kill, voire deux kills, et surtout derrière, il ne meurt quasiment jamais. Ou alors il meurt très lentement. Voilà, il fait gagner énormément de temps à son équipe pour pouvoir rotate et pour pouvoir l'aider ensuite et le support. Et ça, je trouve que c'est totalement euh, monstrueux de sa part Et il a une particularité C'est vraiment Il est très fort euh, Dans ce compartiment là Du jeu On va parler maintenant De son année Et de ce qui s'est passé Il a fini euh, Donc top 10 Pour moi Je le vois pas forcément plus haut Parce que Il bah, y a des monstres aussi Qui vont arriver hein. Cette année C'est certainement Le Counter Strike Le plus compétitif Qu'on ait jamais eu Et depuis l'Asian Championship Remporté par Mouse J'ai clairement l'impression Que cette équipe De manière générale A step up Et Robs aussi C'est là où je vous expliquais que j'allais revenir euh, bah, sur cet élément clé pour moi. C'est-à-dire que Karigan a exploité le plein potentiel d'Europs. Voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, il est top 19. Euh, et puis de, de l'année dernière à aujourd'hui, individuellement, ça reste un monstre. Même au début de cette année, il était fort individuellement. Il a des stats dans le vert, Il est systématiquement positif. Il est très très fort individuellement. Il gagne beaucoup de duels. Mais ça te choque en quart de finale, ça te choque en demi-finale contre les gros, les Astralis, les Liquid, les Vidgenius, les Vitality. Ça te choque contre les FaZe, contre les Navi, ça te choque tout le temps. Et Moose eSport fini euh, top 7 top 8 top 5 6 voilà c'est carré final merci au revoir et ça te choquait systématiquement il y avait un palier il y avait un plafond on avait l'impression euh, cette équipe avait euh, la peur de gagner et jouait pas à son plein potentiel et quand ils ont gagné la zen championship pour ceux qui s'en souviennent qui sont très fidèles euh, à ma chaîne donc merci beaucoup bisous sur vous ceux qui s'abonnent etc on avait fait euh, justement des vidéos actualité et j'avais parlé en temps réel de cette compétition et j'avais dit que pour moi Mouse allait clairement passer un cap à ce moment-là parce que c'était oh l'élément clé qui leur manquait et Karrigan il inculque la culture de la gueule c'est quelqu'un qui a joué avec Faze qui a qui a boosté des joueurs, qui a formé des joueurs, qui a dévoilé au grand public des joueurs chez Face, des joueurs chez Astralis aussi. Et donc, il a pris des jeunes comme ça aussi chez Mouse, et il a réussi une prouesse encore une fois. Pour moi, c'est un des meilleurs leaders in-game, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Mais il est aussi l'élément de réussite de Rops. On va se recentrer sur Rops, et pour moi, il, il leur a fait passer un cap, et à Rops également. Il a fini EVP ou MVP systématiquement à tous les tournois de fin d'année que ce soit à l'Asian Championship, au final ESL le Pro League, oh au CS Summit à l'Epicenter aussi, voilà ils ont été monstrueux et Robs avec individuellement pour moi c'est un sans faute euh, quasi de la part de Rob's parce que c'est tout simplement une évolution constante, on peut pas être monstrueux systématiquement, à part Zinedine Ziwo, hein, on connaît lui il cheat, on s'en bat les couilles mais voilà, grosse force à Robs, l'Estonien, très jeune, monstrueux. Je valide totalement, moi, son positionnement. Il y a des monstres qui vont arriver euh, bah, dès demain. Donc, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, activer la cloche ou passer tout simplement sur la chaîne tous les jours 17h. Twitter, Instagram, je tweet et je mets en publication sur Instagram dès qu'une vidéo sort. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me follow sur mes réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, euh, bah, j'y réponds sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, dans les commentaires, je vous laisse ouvrir le débat sur le positionnement drops, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, est-ce qu'il vous a inspiré, est-ce que c'est quelqu'un qui vous, qui vous procure un petit peu des émotions, parce que c'est quelqu'un d'assez spectaculaire individuellement, donc est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait kiffer, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il vous donne plaisir à, à voir jouer ce joueur-là, euh, ce qui fait du beau Counter-Strike, donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ce joueur, est-ce que vous pensez que c'est un bon positionnement, est-ce que vous l'auriez mis plus haut, plus bas euh, en tout cas, la guerre elle est dure individuellement. On vit le meilleur Counter-Strike l'heure actuellement, surtout individuellement. Il y a que des bêtes dans toutes les équipes parce qu'on joue le CS le plus compétitif. Mais on adore ça donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. On s'abonne, la cloche, on met un gros like, on met des commentaires à fond. Ça référence la vidéo et puis on ouvre le débat sur CS. Et ça, ça nous fait plaisir. Ciao les gars, à demain pour le numéro 9 mondial.